Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 2, partie B, Bac ES, Métropole, juin 2017. Voici l'énoncé. Partie B. Chaque adhérent verse une cotisation de 10 euros par mois. Le trésorier de l'association souhaite prévoir le montant total des cotisations pour l'année 2017. Le trésorier souhaite utiliser l'algorithme suivant dans lequel la 7e et la dernière ligne sont restées incomplètes. Question 1. Recopier et compléter l'algorithme de façon qu'il affiche le montant total des cotisations de l'année 2017. Question 2. Quelle est la somme totale des cotisations perçues par l'association pendant l'année 2017? Alors, la cotisation est de 10 euros, donc à chaque adhérent va devoir payer 10 euros. Donc ici, U prend la valeur 900, donc on va faire la suite U. Et donc S, eh bien c'est 10 fois U. 10 fois U. Donc en sortie, on va afficher la valeur de S. Maintenant, on va calculer S. Alors, UN plus 1 égale à 0,75 UN plus 12. Or, on avait vu la partie précédente que UN était égal à donc 852 fois 0,75 puissance N plus 48. Donc, S, la somme totale des cotisations perçues. S, eh bien, c'est 10 fois la somme de k égale à 0 à 11 des uk. Donc u0 plus u1 plus u2 plus etc. plus u11. Donc 10 fois la somme de k égale à 0 à 11 de 852 fois 0,75 puissance n plus 48. Donc linéarité, si on pourrait ajouter des parenthèses, linéarité de la somme. Somme de k égale à 0, parenthèse, égale à 0 à 11, 852 fois 0,75 puissance n, plus la somme de k égale à 0 à 11 de 48. Alors, ici, on peut sortir le 852 de la somme, fois 852, somme de k égale à 0 à 11, de 0,75 puissance n, plus, donc ici, c'est 11 fois 48. 12 fois 48. Alors ici, alors fois 10, bien entendu. 10 fois 852 fois, alors ici, somme d'une suite géométrique. Eh bien, c'est 1 moins le premier terme qui n'est pas dans la somme, donc 0,75 puissance 12 sur 1 moins 0,75, donc 1 moins 0,75, c'est la raison de la suite. Plus 12 fois 48 fois 10. Donc au total, ici au total, on aura 10 fois 852 fois 3,87 plus 5760. Et donc si on fait ce calcul, on trouvera 38 760 euros. Donc les cotisations des adhérents, c'est 38 760 euros. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.